Il y a quand même 19 ans que j'en fais maintenant. De la photo? Oui. On a commencé en janvier 87. À quelle occasion? Un dossier de presse. À l'époque, les photographes corrects ne faisaient pas ça. C'était ou des vraiment ringards ou des jeunes débutants. Et vous savez, les dossiers de presse, ça se fait quand la collection n'est pas terminée. Donc, on avait fait des dossiers pour la couture et c'était raté 3 fois de suite. Alors, Eric Fender, le directeur de l'image de Chanel, m'a dit, écoutez, si vous êtes si difficile, faites-le vous-même. Et j'ai engagé un assistant, j'ai loué les caméras et on l'a fait nous-mêmes et c'est comme ça que ça a démarré. 6 mois après, on faisait des rédactionnels, des catalogues, de la pub et ça s'est enchaîné. Ce que j'aime dans la photo, ça évoque un instant qui est impossible à reproduire, parti pour toujours. Il y a un côté très, je veux dire mélancolique presque, mais très éphémère, fixé dans la photo, que je trouve, c'est ça qui rend la photo attachante. Mais ça, c'est pas une certaine catégorie de photo. Autrement, c'est une image commerciale, parce que moi, j'aime la publicité. Moi, je suis photographe de publicité aussi et ravi de l'être. J'adore la publicité, j'ai toujours adoré la publicité. Si je suis pas dans la mode, j'aurais fait la publicité. Feelings, not reasons, can make you decide.